Dans le Mali rural, où presque 4 personnes sur 5 n'ont pas accès à une électricité fiable et abordable, les populations doivent utiliser le kérosène qui est coûteux, des piles sèches ou des batteries de voitures pour au moins satisfaire leurs besoins de base en énergie. Ce fut le cas de Kone Maimouna Mariko, une femme de 36 ans de Zantiabougou, jusqu'à ce qu'un opérateur privé installe un mini-réseau hybride solaire-diesel dans son village. Maimouna et un groupe de femmes dirigent maintenant une entreprise florissante de beurre de karité, exportant des produits tels que des lotions pour le corps, des savons et des baumes à lèvres vers l'Europe. Dans les communautés où il n'y a ni ligne traditionnelle électrique ni énergie solaire, ces réseaux du village offrent des heures d'électricité et utilisent le diesel si besoin. La Banque mondiale travaille avec le gouvernement du Mali afin de soutenir les opérateurs de mini-réseaux. Ceci se fait à travers des initiatives telles que le financement basé sur les résultats qui permettent de répandre l'accès à l'électricité moderne, pure et abordable pour tous. L'un des projets dans des villages comme Zantiabougou comprend aussi le développement de marchés pour l'éclairage hors réseau et les lanternes solaires. Grâce à ces efforts, l'hôtel de Mamadou Diané est devenu prospère. Pour attirer les clients, les opérateurs des mini-réseaux dans les villages qui appartiennent souvent à la même communauté disent être souples avec les échéances de paiement, ce qui est crucial pour beaucoup de Maliens qui comptent sur la récolte annuelle pour faire des profits et payer leurs factures. Donc, il n'y a pas de cinéma. Parce que le coût là, il sera qu'à terre, il n'y a pas de Donc,